La liste des véhicules me plaît pas. Ouais. Et puis la carte. Bon, y a deux grandes droites, mais. Ah, c'est Gabri, hein. Gabri, c'est celui de la Commoda juste avant, donc. J'étais pas droit. Dommage. Ah ouais, mais. Roue arrière, Steph. Là j'étais nickel hein. J'ai même roulé sur le pic en haut, le pic rouge. Il faut un petit peu plus de vitesse peut-être. Je peux pas faire mieux. J'ai pris de l'élan, j'étais nickel, j'ai roulé sur le pic rouge. Comment tu veux faire mieux? Ah mais faut pas la faire tout de suite, Steph. Voilà. Tu prennes de l'élan avant d'enclencher la roue. Planage moto one shot. Pas de problème. Deuxième planage one shot, pas de problème. Troisième planage direction la Maze Bank. Ok. Hop, pas de problème. Ah ouais, mais moi des parcours comme ça en moto, putain, des trucs de merde là comme avant. Fallait faire quoi là? Ah!
dit d'aller à gauche. Hein? Il y a un mur. Je veux bien, mais... Le point, il est en haut. Ah bah. T'es censé passer où? Fallait peut-être coller le mur alors pour avoir le... Je sais pas. Quoi cet élément bizarre là? Ça va être la joie, ça. Ah ouais, je fais comment pour sauter là-bas moi? Sérieux là? Non, je peux pas me louper là. C'est la honte. Il y en a combien des trucs comme ça? Putain, bah il y en a 3 de toute façon. Pff. Le vélo, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Ça va, j'y arrive, mais... Ah, c'est bon. En pédalant, ça passe, non? Ouais. Il a dit wingsuit, donc pas de parachute. Et ben on y va. Sans parachute, impeccable. Cramjet.
La voiture, elle a tapé, mais voilà, pourquoi pas. Ma voiture, elle tape. Pourquoi elle tape? C'est toi et ta chance, quoi. Il est au point là-bas. Ah putain, j'étais au niveau du point. J'ai voulu le faire sans parachute. Descendu trop bas. Steph, il arrache qui te direct. Deuxième mix out, nickel. T20. Peut-on s'attendre à un petit transfert? Je regardais le parcours en haut, j'ai pas vu ce qui arrivait devant. Il est encore avec son vélo, il est à l'arrêt. Ah, c'est vrai qu'il est chiant ce passage là. Mais...
Il est où le Lofa? Il est où? Hello. Merde. Ah ouais, il est un peu chiant ce passage là. Ah non, celui-là. Bon, celui-là il est easy. C'est celui d'après qui est un peu chiant. Là en fait faut que tu prennes de l'élan. Moi j'ai pris de l'élan. Et je les ai tous sautés sans repédaler une seule fois. Là, tu prends de l'élan, t'enclenches. Hop, tu jump. Et après tu re-enclenches. Faut les enchaîner. Je vais faire comme ça. Ouais. Moi je les ai tous passés comme ça sans repédaler une seule fois. Sinon t'as pas assez de vitesse pour sauter à l'autre. Ah, la bullette elle arrive au wingsuit. Wingsuit. Je l'ai vu au-dessus sur ta caméra. Changer de véhicule, pardon. Ouais, wingsuit. Enfin, à pied, quoi. C'est tout le parachute boulette. Putain, la tricheuse, elle a ouvert le parachute. Tu sais, c'est quoi wingsuit? C'est sans parachute. Putain, t'es nul. Franchement, t'es nul. Tu mérites pas le point. Non, franchement, moi j'ai fait les deux sans parachute. Et je me suis éclaté deux fois. C'est de la triche ce qu'elle vient de faire. Putain, et puis là elle l'a direct elle. Moi j'ai tapé plein de fois, ça voulait pas passer. Il y a une technique pour se déplacer en wingsuit. C'est tu inclines le joystick légèrement en avant pour avancer. Si tu l'inclines trop, tu descends. Il faut l'incliner légèrement juste pour avancer. Voilà, rouvert le parachute. Pff. Mais tu descends trop. Tomber devant le point, c'est chiant. Dernier, j'ai... Bah ouais, mais c'est trop facile comme ça. Vers le parachute direct. Ou tape wingsuit GTA 5 sur YouTube, tu vas voir c'est quoi du wingsuit. Là, tu respectes pas le parcours. Clairement. Just cause Après je sais que s'il est l'heure pour toi mais tu respectes pas le parcours.